Salut salut, bienvenue sur Another Homepage, je suis Niels et on va commencer ce nouvel épisode par adresser le fait que je suis un peu à la bourre. Salut à toi Rancune d'ailleurs. Donc oui, aujourd'hui j'ai été un peu à la bourre, donc on commence un peu à la bourre et puis on verra si on arrive à terminer dans les temps ou un peu plus tard, c'est pas dramatique. Aujourd'hui c'est la revanche du proxy. Pour celles et ceux qui se rappellent, dimanche dernier, il se trouve que j'ai tenté, sans succès, de faire fonctionner le logiciel de proxy Squid sous Alpine Linux sur un Raspberry Pi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fut un échec critique. Salut à toi Xavier, salut à toi Sébastux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Hop. Alors, un peu sombre, non, j'ai pourtant mis la lumière. Hop. Ah mais non, mais en fait, c'est aussi que c'est sur le laptop qui fait sombre. Hop là. Hop là. Ouais, Squid 0 Alpine 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose dans l'immédiat, j'ai juste préparé une machine virtuelle. Et cette machine virtuelle, eh bien, l'idée, ça va être que ce ne soit pas une Alpine Linux, voilà, c'est ça, je tente sur une nouvelle distrib. Mais en parallèle, alors j'ai pas eu le temps de m'installer une Alpine Linux en virtuel. Je vais peut-être lancer une installation d'Alpine Linux, parce que je serais curieux de voir si c'était juste Alpine ou si c'était Alpine sur un Raspberry Pi. Vous voyez, c'est histoire de voir si on a... c'est histoire d'investiguer un peu, mais l'idée quand même à la base, c'est bien de faire fonctionner ce bon vieux proxy Squid et de réussir à faire fonctionner l'objectif initial qui est quand même d'utiliser le proxy sur une vieille tablette dont en fait le magasin de certificats est vieux et donc d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce problème de certificat. Salut d'ailleurs Alain, merci de nous rejoindre. Salut à toi Haribo, j'espère que tu vas bien. Souvent les distribs. Alors, la version ARM aurait posé problème plausible. Souvent les distribs Pi sont allégés. On verra. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de façon générale, et c'est pas valable seulement pour le Raspberry Pi, la distribution Alpine Linux utilise une bibliothèque C standard qui n'est pas la GNU libc classique, mais une lib qui s'appelle Muzzle. Et parfois, ça peut poser des soucis. Je dis parfois. Je dis pas que c'est forcément le cas souvent, mais ça peut, dans certains cas de figure, poser souci. En tout cas, j'en ai déjà entendu parler. En tout cas, lu sur d'autres trucs. Voilou pour le programme d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par regarder quelle est l'adresse IP de la VM que j'ai installée. Et comme vous pouvez vous en douter, ce sera pas une Alpine que j'ai installée dans l'immédiat. Hop, 6213. Allons-y. Alors. Poup, 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 poum. Ah, ouais, ça commence bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer peut-être par vous partager l'écran. Hop, voilà. Il se plaint que j'ai trop d'authentication failure. Parce que en fait. Hop. Je vais aller copier la conf. Alors, on va l'appeler Fedora Proxy, parce que comme vous vous en doutez, c'est une Fedora derrière. Et on a dit que c'était 6213. Hop. Non, toujours Too Many Authentication Failure. Tiens, pourtant. Alors en fait, l'erreur, c'est un classique, hein, c'est... Non, décidément, il n'en veut pas. Pourtant, l'erreur, elle est connue, elle est classique. Et je pensais l'avoir résolue comme ça. Non plus. Alors.
pensais pas que j'aurais ce genre de souci. Hop. C'est quand même chelou. Parce qu'en fait, le principe, c'est que j'ai beaucoup de clés SSH. Et en fait, il les tente toutes les unes à la suite des autres. Et donc forcément, bah, il se mange le message d'erreur. Enfin, en gros, il essaie de s'authentifier avec des clés, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Et en fait, OpenSSH, lui, il dit au bout d'un moment, vas-y, t'as essayé trop de fois, je t'arrête. Et normalement, on peut forcer l'identité. Et je pensais l'avoir fait à l'instant dans le truc. On peut le faire aussi sur la ligne de commande. Mais alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller ici. On va aller faire comme ça. Vim etc ssh. Alors ça, c'est la version Gorée hein, que je vous montre. Etc ssh sshd config. Vim. Ah bah non, Vim n'est pas installé. Oui, certes. J'ai vraiment mis le minimum, voilà. Et en fait, on a un max d'authentification. Alors, c'est un peu petit pour le moment. On va essayer de zoomer un peu. Hop. Ce qui est le display. Voilà. Et donc là, on a le max authorize. Il faut utiliser le fichier config dans l'apertoire.ssh. Tout à fait, Sébastux, c'est ce que je viens de faire. Mais a priori, j'ai malgré tout trop de fichiers de conf SSH. Donc ce qu'on va faire ici, c'est je vais lui dire en max authentification, je vais lui dire 99. Ce qui est, en toute sincérité, c'est à ne pas faire en prod. Hein. Voilà. Voilà, déjà mieux. Parfait. Alors on fait ça. Si je fais ça, il me le réclame toujours. Et on va faire un tssh-copy-id. Hop. Comme ça on est tranquille. Voilà. Parfait. Donc, ça tout va bien, on est enfin connecté dessus. Alors, première chose, eh ben, on va essayer d'installer Squid. Normalement, la machine est récente, je l'ai popée hier, elle est à jour. Donc, install Squid. Voilà, même le sudo, il est en mode vas-y, réclame le mot de passe. J'ai tout juste pris le temps hier d'installer une Fedora vite fait. Histoire que je perde pas de temps à l'installer aujourd'hui. Mais je n'ai pas installé Squid en me disant bon, j'ai quand même montré l'installation de Squid. Même si ça reste DNF install Squid. Et que visiblement, j'aurais peut-être dû mettre à jour le cache avant. Il se trouve que j'étais en vadrouille aujourd'hui. D'où le fait que j'ai démarré en retard. J'espère qu'à part ça, vous avez passé un excellent week-end. D'ailleurs, je me rends compte que, ouais, à part le... Hop. Voilà, comme ça, on le voit bien. Allez. Là, tout de suite, il se traîne hein, quand je rajoute pas toutes mes customisations sur les... Comment ça, il... Oh, punaise. Ah ouais, il en installe quand même des dépendances pour Squid. Ah, c'est pas comme Alpine, hein, dis donc. C'est vas-y, j'ai la terre entière installée en dep. 67 packages. Ça va, il a été rapide pour les installer quand même. Ok, alors... Ensuite, si je fais un petit sudo systemctl status squid, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il est bien chargé, parce qu'il voit le fichier. Il me dit bien qu'il est désactivé, parce que le preset par défaut, c'est désactivé. Et bien entendu, il n'est pas lancé.
Donc on peut faire un enable squid. Voilà. Et si je relance le status, on voit qu'en théorie, il est censé être activé, mais que le preset dit toujours disable. Parce que le preset, en fait, c'est vraiment le truc selon l'installation, en fait. Maintenant, start squid. Et là, il est active running. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Je dirais même c'est une excellente nouvelle. J'aurais peut-être dû commencer par ça la semaine dernière. Alors, je pense que ce n'est pas fini. Parce que nous avons un firewall D. Nous avons un firewall sur la machine. Et si je regarde mon squid, il écoute sur un port squid. Lequel est-il, me direz-vous? Donc on va faire un petit grep squid dans etc services. Et a priori, c'est ce bon vieux port 3128 TCP. Alors, et je me doute bien que par défaut, le port squid n'est peut-être pas activé. Alors, slash lib firewallD et on va aller dans services. Oh, services, voilà. Et là, en fait, on a plein de fichiers XML qui décrivent les services de firewallD. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un squid? Il y a un squid. Donc on a un service, firewall des squid qui, comme par hasard, dit port 3128 en TCP. Donc ça c'est nickel. C'est nickel parce que ça veut dire qu'on peut faire un petit sudo firewall ctl moins moins je crois que c'est enable. Ouh, j'ai un trou de mémoire. Service. Hop. Alors, est-ce que c'est un enable c'est un allo ou un enable? Parce que j'ai le list services. Ah, c'est le add services. C'est add services, voilà. Add. Merci, Sébastux. T'as fait comme moi, t'es allé regarder la page de manuel. Je voulais pas montrer à l'écran, hein, mais... Mais j'ai un autre terminal sur un écran qui est pas partagé et je suis allé regarder la page de manuel. Alors, égal, hop là. Ah, tu connais la commande, ok. Vive la mémoire. Squid, donc. Et on peut faire la même en moins moins permanent. Hop. Voilà. Reload. Pourquoi tu veux faire un reload? Pour l'activer? Ah, pour activer le firewall. Hop, success. Donc. Moi, ce que j'aurais voulu voir aussi, c'est journal CTL. Moins U, moins N, Squid. Squid. Ah non, c'est plus Squid. Salut à toi, Fido de Tour. Squid. Hop. Donc, a priori, pour le moment, on n'a pas grand chose. Peut-être pas I4 déjà. On est tranquille. Ok, donc ça, c'est lancé. Donc, si jamais je prends un navigateur sur lequel j'ai un petit tuto pour Squid au cas où, et que je décide d'aller dans les paramètres de mon Firefox. Alors, pour l'instant, je le teste sur mon bureau, enfin sur un Firefox sur le bureau. Alors, proxy HTTP, gnagnagna, ça, je vais l'enlever. Voilà. Et donc, le proxy HTTP...
c'est 192.168.6.2, on dit 213, sur le port 3128. On va faire un petit OK. Ensuite, on va aller sur linuxaffaires.org. On y accède. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Est-ce que dans mes paramètres de proxy, j'ai pas de... OK, donc c'est, je passe partout. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que mon navigateur fonctionne toujours. La question, c'est, est-ce que dans, le, dans les logs, on a quelque chose ? A priori, on n'a rien vu. Ce que je vais vouloir faire quand même, c'est vérifier... Alors, est-ce que je, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Qu'est-ce que je peux vous montrer comme site ? Qu'est-ce que je peux vérifier comme... Ah, si, je peux vous montrer ça éventuellement. Hop. J'ai un LibreNMS sur mon réseau. Hop. Est-ce que c'est ça, les logins et les mots de passe ? Oui, c'est ça. Et donc, vu que j'ai un LibreNMS sur mon réseau, ce que je peux faire, c'est aller me connecter dessus. Ok. Et je peux aller voir... var log nginx. Oups. L-F access.log et on peut voir que c'est bien le 192.168.6.213 qui a accédé. Donc la bonne nouvelle, c'est que le Squid, en tout cas tel qu'il est configuré par défaut sous Fedora, me permet de passer. Donc ça c'est cool. Ça c'est très cool. Très 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 cool. Donc là déjà, rien qu'avec la conf par défaut, on est tranquille. Ça marche. Ce qui veut dire qu'il y a quand même déjà pas mal d'autorisations qui sont faites. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que ça va fonctionner pour faire notre petite... blague à base de vieille tablette. Alors, je vais prendre ma vieille tablette. Où est-ce que je vais aller paramétrer ça, moi ? Alors du coup, pour le moment, je n'ai pas grand-chose à vous montrer, si ce n'est... parce que bon, c'est un iPad, c'est dans les paramètres réseau de mémoire. Général, Wi-Fi, hop là. Donc Wi-Fi, hop, info, et on a proxy HTTP manuel, hop, serveur. Alors, on a dit 192.168.6.213 et le port 3128. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Est-ce qu'il l'a bien activé au moins? Et ben, on va vérifier ça tout de suite. On va retourner voir avec Safari. Alors. Hop là, reviens par là. Voilà. Donc, http 192.168.6.19. Ça, c'est histoire de valider au moins que... hop, ça passe. Ah. Et là, vous l'avez vu, vous le voyez. Voilà. CPUE 935, Apple WebKit... Voilà, donc bon, je vais pas me loguer dessus, mais là vous pouvez le voir. Pour l'instant, on est juste sur de l'HTTP, mais j'ai la mire d'automne de mon LibreNMS. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je peux aller visiter comme site qui a de préférence un certificat Let's Encrypt, parce que ça, on sait que ça marche. Enfin, on sait que ça marche, on sait que ça pose problème. Je vais commencer, tiens, avec Another Homepage.org, tiens. Impossible d'ouvrir la page. Alors. Ah, ça c'est intéressant.
Oui, ça c'est intéressant parce que là on va vraiment voir que j'ai un squid, c'est que je me suis trompé dans l'orthographe de mon site. Et donc, j'ai une jolie petite page d'erreur. Hop, alors, viens, affiche-toi là. Voilà. Donc on voit bien la petite page d'erreur de squid. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va essayer de l'écrire correctement. Alors, j'ai écrit correctement et malheureusement, il chouine toujours. Il chouine toujours. Donc c'est bien le. Hop là. Voilà, j'ai encore le message d'erreur. Alors, que les choses soient très claires, je suis pas. Comment dire? Je suis pas convaincu à 100% que cette petite manip va fonctionner. Hein. Mais l'idée c'est de dire bah qui ne tente rien n'a rien. Mais au moins le proxy fonctionne. Alors, est-ce que je peux. Il manque la CA sur Squid. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. On va bien voir. Hop là, pas celui du moins 9, celui du moins 8. Hop là. Déjà, je serais tenté de vouloir rendre les logs un petit peu plus verbeux, pour être honnête. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? Donc, a priori, le truc est quand même assez bien fait. Ouais, donc ça c'est la CSS de la page d'erreur, ok. Le mime.conf, il fait quoi? Ouais, d'accord. Et. Alors, qu'est-ce que j'avais un truc dans mon tutoriel pour dire d'ajouter des logs ou pas? A priori, pas plus que ça. Alors, si je demande squid log config. Ceci étant, si je fais un petit système, un petit journal CTL. Du coup, hop là. Ouais, pas grand-chose. Alors, varlog. Est-ce que j'ai un varlog squid? J'ai un varlog squid. Ah, j'ai un access log. Allez. Ok, donc là j'ai bien un access log. Ok. Ah. Intéressant. Donc a priori je l'ai bien configuré pour tout le système sur l'iPad et donc. Tout le trafic passe a priori par l'iPad. Et donc c'est bien 6-12 mon iPad. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher? Donc on a. Bon, les logs, c'est bon, on a compris. Par contre, un squid. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Salut à toi, The42. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ce soit Squid qui me valide la partie SSL par rapport à un vieux navigateur dont les certificats ne sont pas à jour. Alors, Sébastux, a priori, tu as quelque chose à me proposer. Hop.
Alors dans ce cas-là, Squid serait utilisé comme reverse proxy. Not forward challenges. Ah ouais, mais alors attention, c'est pas pareil, ça c'est les challenges. Ça c'est pour utiliser Squid en tant que reverse proxy en fait. C'est pas la même chose. En fait, moi je voudrais que Squid valide le certificat. À moins que, dans ce cas-là... Alors, je serais tenté de vouloir faire un truc. Si je demande à Squid de faire de l'interception SSL. Vous voyez ce que je veux faire ? Squid reverse proxy. Alors attends, bah au final c'est ce que tu veux, avoir du HTTP en front et que Squid le fasse flash. Pas forcément. Pas forcément, je pense. Squid proxy SSL interception. Hop. Alors je veux pas forcément du transparent. Bon, alors là, il... Alors, hop, on va zoomer un peu. Donc, a priori, il y aurait une conf à mettre. Conf. Alors, je vais pas l'appliquer bêtement. Oui, il me faudrait une CA perso et l'autoriser du côté de la tablette. Tout à fait. Tout à fait. Ce serait un petit peu plus de boulot que ce que j'espérais, mais c'est jouable aussi. Alors, c'était... Bon, ça, c'est dans PFSense, donc je pense pas que ça va... Mais non, mais hop. Reject all, voilà. Hop. Alors oui, installer les packages. Configurer le proxy transparent. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Configurer une AC, ok. Ah, et du coup, il fait... Oui, bon, bah, il fait l'AC en... En web, il l'importe. Alors la question c'est, ouais, tout étant dommage. Alors, ça commence bien, hein. Squid est une application très puissante, mais pas beaucoup et une mauvaise documentation. The Google might not be your friend for this, because caution, some config directives may be outdated. Ok. Alors... SSL bump, splice peak and bump some SSL connections. Donc, il fait une clé OpenSSL, a priori, il fait une nouvelle CA, hein, j'ai l'impression. Voilà, il initialise une database, ok. Ok. Divert traffic zone. Bon, ça à la limite, c'est pas notre problème. Ok.
Alors la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai moyen d'ajouter une CA dans un iPad? On va mettre iOS 9, parce que c'est iOS 9. Add custom SSL CA. Parce que si on n'arrive pas à installer une AC perso, ça va rendre tout de suite le truc beaucoup moins intéressant. Alors. On a quoi? On a un CSS. Ok. Et si je peux ajouter une CA perso, pourquoi pas ajouter celle de Let's Encrypt? Alors, effectivement, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où j'ajoute l'AC perso, je n'ai plus rien à ajouter d'autre. Entendu que la tablette ne quitte pas le réseau que j'utilise et que donc elle est toujours derrière le proxy. Je sais pas ce que c'est que leur truc. Pourquoi il veut utiliser un... Ouais, donc on peut effectivement installer une AC. Et effectivement, je pourrais installer celle de Let's Encrypt. Mais en fait, là où ça devient intéressant, en fait, c'est que si jamais un jour on a, enfin, si on a des clients, enfin pas des clients, mais si on a des serveurs qui sont en TLS 1.3, par exemple, la tablette pourra, via le proxy, communiquer en TLS 1.3. Mais ça, a priori, c'est... Ouais, en fait, là, il propose... Ça, c'est dans ce cas de figure-là. Où on peut télécharger le certificat. Ça veut dire que si je vais sur le site de Let's Encrypt, hein, si je fais Let's Encrypt, manually download. CA. Est-ce qu'on peut? octobre 2021, ça fait quand même un an que ça n'a pas été mis à jour ce truc-là. Alors, les offline, ok. Valide, révoqué, expiré. Ok. Donc a priori... Alors je vais vous proposer, hop, ce petit lien-là. Alors je vais dans plusieurs directions à la fois, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais en gros, si je veux juste ne pas utiliser un proxy et juste activer... les nouveaux certificats de chez Let's Encrypt, a priori, je peux le faire. Enfin, je peux le faire. Je suspecte que si je prends... Ah non, ça c'est juste pour valider, révoquer, ok. Et si je veux récupérer... Non, ça c'est crt.ch, ok. DVRPEMTXT. D'accord, donc ça c'est effectivement le certificat. Ok, donc je peux le télécharger. Ok. Et donc, si je comprends bien. Settings app. Install profile.
Ok. Alors, je vais vous le copier aussi. Hop, pour servir. Ouais, mais alors là, pour le coup, vu la date, c'est pas garanti que ce soit possible dans iOS 9. iPhone Simulator, non. Au pire, la clé est aussi dans Firefox. Alors, c'est vrai que j'ai un Firefox d'installer sur la tablette. Et si jamais je vais sur... Oh, Firefox. Voilà. Si je vais sur anotherhomepage.org. Il me dit que la connexion n'est pas certifiée. Et si je vais dans Avancée et que je regarde, il me dit certificat expiré. Donc en fait, le Firefox que j'ai sur cette vieille tablette, il est toujours, comment dire, il utilise les, il utilise le magasin iOS. Faut se rappeler que sur iOS, les navigateurs n'ont pas beaucoup de possibilités comparées à Android. Oui, c'est vrai, je peux récupérer celle qui est sur le PC. Mais je voudrais creuser cette histoire d'interception SSL. Alors, où est-ce qu'on avait, où est-ce qu'on avait regardé? Voilà. A priori, on a cette documentation qui avait l'air pas mal. Et que raconte la documentation officielle chez Squid? Merci Zeu, merci d'être passé, à plus. Quand utilisé proprement, TLS ne peut pas être bump. Ok. Donc là, il propose de créer, ouais, effectivement, une CA. Et créer un DER qu'on importe dans les navigateurs. Ok. Donc pour rappel, hein, pour bien comprendre, il y a deux choses qu'il faut résoudre, quelque part, avec les vieilles tablettes. D'une part, il y a le fait que ils n'ont pas forcément les certificats à jour, donc ça, on peut les ajouter manuellement, a priori. La deuxième, c'est que avec les versions plus récentes de TLS qui vont sortir, enfin aujourd'hui, on est à TLS 1.3, même si aujourd'hui TLS 1.2, je pense que normalement cette tablette doit pouvoir faire du TLS 1.2. Il n'y avait pas un truc chez... mince. J'étais en train de me poser la question. Je pense que vous avez peut-être toutes et tous déjà entendu parler de SSL Labs. Hop. Et je me demande s'il n'y a pas un truc pour tester le navigateur. Test sur serveur, test sur browser. Si. Alors la question c'est... Est-ce que on peut tester le navigateur? Alors, peut-être falloir que je redésactive le proxy d'abord. Ça, je pense que c'est un test intéressant à faire. Hop, viens voir par là. Réglage. Wi-Fi. Hop. Alors, proxy désactivé. Voilà. Ensuite, Safari. Et SSL, hop là, SSL labs.com.
Alors la question c'est est-ce qu'il va pas m'envoyer. Non, il m'envoie pas bouler parce que le certificat. Le certificat doit provenir d'une autorité de certification. Allons-y. Alors, je me rends sur donc client test, hop là. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je suis en train de me demander s'il n'y a pas moyen pour se faciliter la vie. Si je fais ça, vous allez me dire, on voit beaucoup de choses, trop de choses, mais hop. Alors oui, c'est un peu spécial. J'y vais à l'arrache. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, découvrons ensemble le résultat. Il dit quoi? Voilà, il dit par exemple que je prends pas en charge TLS 1.3. Alors, j'essaie de faire le... Hop. Eh oh, la mise au point, t'es où? Voilà. Et là, si vous voyez... Là en haut, il y a bien TLS 1.3, et là, hop, il y a écrit non. Il y a écrit non. Alors, hop, on va revenir comme ça. Alors, quels sont les autres trucs qui me limiteraient? Bon, pas grand-chose. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver... le proxy. Alors la question que je me pose c'est à quel point, enfin comment il arrive à tester ce genre de choses là. Réglage réseau. Hop. Est-ce qu'il a gardé en mémoire le proxy? Oui, il l'a gardé en mémoire, ça c'est cool. Allons-y. On revient par la Safari et on va rafraîchir la page. Safari ne peut ouvrir la page. Il y a eu un problème de communication avec le... Ah ! Alors, on va aller jeter un œil au log du Squid. Si je fais un petit grep 168.6.12 dans AccessLog. avec un 192 et pas un 102, ce serait pas mal. Voilà, alors, client test, ssllabs.com. Ah, il a pas voulu faire ça? Alors. ETC, squid.conf. Alors effectivement, dans les safe ports, j'ai pas lu 1443. Je vais le rajouter. Voilà. Et normalement, je peux faire un squid-k reconfigure. Et ce qu'on va peut-être se faire, c'est qu'on va se faire un petit... tail moins, moins 1 moins f moins n 1 moins f var log squid access log grep. Voilà, alors vous voyez pas mais vous inquiétez pas, allons-y. Et si je rafraîchis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, maintenant j'ai un résultat. Alors c'est intéressant. Je vais vous remettre. Alors je vais essayer de peut-être de mettre la tablette. Je vais essayer de mettre la tablette correctement déjà d'une. Voilà. On ramène la webcam. Et qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Voilà. Il dit failed probably due to firewall restrictions.
Donc ça, c'est intéressant, malgré tout. Alors, est-ce que... Bon, il dit toujours TLS pas 3, non. Ok. Hop, allez, on est reparti. Alors, pourtant le port... Ah, il essaye de se connecter sur le 10443. Pourtant, il écrit... Ah, non, non, il écrit... Ouais, il écrit TCP denied. Ok. Donc... Ce qu'on lui rajoute... pourtant, il dit bien 1025 safe port. Ah, mais c'est parce qu'il y a une SSL port. Ok. Allez, on va lui rajouter le 10443. On va être gentil. Petit squid-k reconfigure et voilà. Et c'est reparti. Je rafraîchis la page. J'ai encore des denied sur les. Je pense que je vais lui balancer des SSL autorisés parce que là il chouine encore. Miss normal. Non, pas ça. Là, je suis content. Là, je commence à faire les trucs. Ouais, 10 030 étoiles, effectivement. En fait, ce que j'ai bien envie de faire, c'est faire ça. Hop, et lui dire. Et lui dire ici. Voilà. On reconfigure et on tail et c'est reparti pour un tour. Alors, où est-ce que j'ai des denied? Rien, 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 tout va bien. Ouais, ok, cool. Mais a priori, le... Bon, a priori, j'ai toujours pas TLS 1.3, mais c'est pas garanti que Squid prenne en charge TLS 1.3. Et a priori, il tunnel tout. Ok, ça c'est cool. On va se poser la question, hein, si je dis Squid TLS 1.3. Alors, c'est vrai qu'en plus, ce TLS 1.3, je crois qu'ils avaient fait des choses justement pour éviter les man in the middle, non? Est-ce qu'on peut faire du SSL bump? Si j'ai bien compris, c'est ça, hein, faire le SSL bump. Bon, ça c'est le... Pour faire ce que tu voudrais, il faudrait que Squid décrypte la page et la réencrypte avec un autre certificat. Non. Alors, Alain, effectivement, c'est ce que je suis en train de me dire. Parce que finalement, il y a deux points. Il y a deux points techniques. Il y a le premier qui est potentiellement l'utilisation d'une version plus récente de TLS que ce qui est dispo sur le navigateur. Je dis potentiellement parce qu'aujourd'hui, cet iPad en iOS 9, il sait faire du TLS 1.2, ce qui est a priori amplement suffisant pour du web moderne. Et deuxièmement, il y a la problématique des certificats qui sont pas forcément disponibles
dans l'iPad, notamment bah, aujourd'hui Let's Encrypt, tous les sites en Let's Encrypt sont vus comme non sûrs sur ce vieil iPad. Donc soit, alors je peux très bien me dire tiens je vais juste rajouter le certificat Let's Encrypt, ce qui est une possibilité, et il y a aussi le fait de dire eh ben je vais importer un certificat autosigné fait sur mon Squid, et Squid fera du man in the middle pour tous les sites que je vais visiter avec cet iPad. À Haribo, je vois pas ECH. Je t'avoue que mes infos sur ce sujet-là sont 1 parcellaire, 2 daté, 3 pas très sûr au niveau de ma mémoire. C'est quoi déjà le SSL bump? Si je dis Squid, SSL bump. Feature SSL bump. Qu'est-ce que ça fait exactement? Ça a été remplacé dans Squid par pick and splice. Ok. Making bumping a decision after the origin server name is known. Avoid bumping. Nanana. ECH, c'est l'encrypted Hello qui chiffre le FQDN du site. Ah, ok. Ah bah là effectivement. Effectivement. Ah oui, c'est du coup ECH, si je comprends bien, c'est la version améliorée du SNI. Mais oui, c'est ça, c'est de ça dont je parle en fait. Puisque effectivement, on ne sait pas à l'avance quel site va être visité, donc le proxy peut pas faire de décision sur est-ce que je t'autorise ou pas. Si le proxy a une liste de blocage. Ah, donc je peux faire un petit SSL bump all par exemple. SNI et tout, nanana. Alors, basic splicing and bumping. Only observe TCP, TLS, metadata. Don't look at modify nothing. Sulfur for lagging. Ok. Mais en gros, moi, ce que je voudrais, c'est bumper tout, en fait. Salut à toi, Charconnet. J'espère que ça va, que tu as passé une bonne journée. Je serais bien tenté de rajouter un SSL bump all en fait. Alors, est-ce que par hasard j'ai un truc dans le genre? Est-ce que j'ai quelque chose sur le bump? Non. Non. Allons-y. Dans ce cas-là, est-ce que je peux rajouter ça à la fin? Si je fais ça. Euh,
Alors. Bon, il arrive à se connecter partout, mais il me dit pas qu'il sait faire du TLS 1.3. Hein. Ça a l'air vraiment. Ah, t'es allé au marché de Noël où t'habites? Bah, c'est chouette, hein. C'est joli les marchés de Noël. Alors, je t'avoue que moi, je vais pas y aller cette année. Sur celui de ma ville. Pour deux raisons très bêtes, j'ai envie de dire. Hein. Quand j'y suis allé l'année dernière, au marché de Noël. Deux choses, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, la première. Et la deuxième, alors j'avais beau y être allé avec un masque, bien entendu, mais en fait, il y avait pas mal de monde, on était un peu tous très serrés, et je me suis retrouvé qu'à contact. Donc j'ai eu le droit de faire un test PCR assez rapidement. Alors fort heureusement, un, on était en plein air, et deux, je portais un masque. Mais il n'empêche que c'était pas. Non, mais finalement, j'ai pas été malade, tu vois. Il y a pas eu de soucis. Mais comment dire, prendre le risque d'être cas contact pour aller voir des trucs qui m'intéressent pas tant que ça, bon. Tu vois, cette année, je vais peut-être pas faire l'effort. J'ai comme l'impression que je vais pas réussir à grand chose. Que je vais pas réussir à grand chose à ce niveau-là. Alors. Faudrait que je récupère un de ces quatre, peut-être une tablette. Ou une tablette ou un appareil. Ou que j'installe un vieux système d'exploitation, tiens. Genre, je sais pas moi. Un système d'exploitation qui prend pas en charge TLS 1.2 et que je tente de le faire naviguer avec un proxy. Alors c'est Bastux, j'ai pas osé le dire, mais je crois que Windows XP prend en charge TLS 1.2. Non? Windows XP TLS 1.2. Je me demande si avec les dernières mises à jour, il le. Je me demande s'il y avait. Parce que il y a IE8 de mémoire sur XP. Et avec IE8, je crois que tu as TLS 1.2, non? Ah, mais ça, c'est un produit. Ok. Support pour Microsoft.com. Au pire, tu mets juste le SP1. Je suis pas sûr d'avoir. Alors, enfin, une licence Windows XP, j'en ai. Un Windows XP avec un SP1 et pas un truc supérieur, c'est pas garanti que j'en ai un. Trumpet Windows. Je ne sais pas ce que c'est. C'était la couche réseau additionnelle pour Windows 3. J'ai pas connu cette époque. J'ai pas connu cette époque. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors. Ouais, bon. Alors, Sébastux, tu voulais pas réitérer l'épisode de la semaine dernière? Alors, t'as installé un XP récemment pour faire fonctionner un vieux logiciel et t'arrivais pas à aller sur aucun des sites HTTPS avec IE. Aïe!
Alors pour l'anecdote, moi, j'avais récupéré un vieil ordinateur, un IPC. D'ailleurs, c'est pour ce IPC que j'avais commandé des barrettes de RAM sur Twitter et que Haribo m'en avait gentiment envoyé. Encore merci d'ailleurs. Et donc j'avais le CD d'origine qui permettait d'installer l'OS d'origine, à savoir un Windows XP. Et j'en ai même profité pour me faire une image, des images disques supplémentaires en utilisant un petit outil sympathique qui s'appelle mince WSUS Offline Updater, je crois. Et qui est assez pratique et qui en plus dispose de scripts pour être lancé sous Linux. Donc c'est génial. On peut se faire une image ISO qui contient toutes les mises à jour d'une version donnée de Windows depuis un Linux. C'est assez fantastique. Et donc je me suis fait comme ça un Windows XP entièrement à jour. Mais bon, c'est juste pour le lol. Des fois qu'un jour j'ai besoin de me connecter, je sais pas moi, à un vieux truc qui réclame un Java 1.6. IDERAC 5, IDERAC 6. Bref. Donc a priori, ouais, un Windows XP ne supporte pas TLS 1.2. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être une expérience à faire un jour. Bref, je m'égare un peu. Je vous propose deux possibilités. La première, c'est que je fais une CA custom sur le Squid, je l'ajoute au Squid et on voit ce que ça donne. Et je vois ensuite et j'essaye de surfer avec la tablette. Ou alors, j'ajoute carrément la CA, la CA Let's Encrypt sur la tablette. Voire même, je fais les deux, hein. Je commence par le proxy et puis après, je fais la tablette. Enfin, la CA. Ça peut être une idée. Qu'est-ce que vous en dites? CA perso? Allez, Sébastux, il est partant pour la CA perso. On verra si on a le temps de faire ensuite le. Alors. Donc c'est les histoires d'interception SSL, hein. Où est-ce que j'avais des. Voilà, intercept HTTPS Connect, message, oui, SSL bump. Se tenter, hein. Allez, on va utiliser ça. Ah non, il y avait un autre truc qui était en mode. Voilà. En plus, c'était Fedora 29, donc on n'est pas trop lourd, trop vieux. Donc, allons-y. Ce que je vais peut-être me faire, c'est. On va faire un nouvel onglet. Hop, j'allais me copier ça ici. Tiens, je vais même vous le mettre sur le chat. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de quel côté? Si je me le glisse ici, c'est plutôt bon signe. Je vais pouvoir me le glisser à côté ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir suivre la documentation et vous allez pouvoir voir comment je m'y prends. Alors, le truc qui dit d'aller ensuite dans le répertoire qui va bien. Alors, j'avoue, c'est un peu bonjour, je fais un stream copy-paste. Hein. Il propose un an. Ouais, mais ouf, on sait jamais, sur un malentendu, on lui proposait 10 ans. Parce que je suis un fou. Voilà. Alors, Charconnet, tu avais fait ça à un moment avec Squid in CA perso, mais les certificats installés sur chaque appareil, c'était un enfer. Du coup, j'ai abandonné après quelques mois d'utilisation. Alors là, a priori, je vais pas m'embêter. Country name, affaire de l'école. Ok, j'ai dû faire un espace. Paris. Paris. Organization name, another home page, admin. Tu es peut-être en avance
Guide Onsea Ansible. Non, on va pas le faire avec Ansible. Common name, bah, fedora-proxy. Remarque, common name, your name en server. Ouais, allez. Email adresse, eh ben, on va dire. Ah, et si je vous mets une adresse à email comme ça. Voilà. Alors, 10 ans, c'est la valeur qu'on choisit après de s'être fait piéger deux fois pour l'expiration inattendue d'un certificat. Alors, ah, les expirations de certificats. Ah là là. Ah là là. Si vous saviez. Enfin, si visiblement vous savez. Alors, a priori, on peut ensuite initialiser le truc comme ça. Alors déjà, est-ce que ça, ça existe toujours ? File. Ça, ça existe. Et est-ce que ça, ça existe ? A priori, non. Mais est-ce que le var pool squid existe ? Oui, c'est un directory. Donc, la commande, elle pourrait fonctionner. Hop. Ok. Ensuite, les navigateurs, faut utiliser le fichier .der. What? Où est-ce qu'il l'a créé, ce fichier .der? Outform. Myca.der. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai fait quoi comme bêtise? Donc, j'ai fait l'OpenSSL rec. Ah, mais j'ai pas fait la suite. J'ai pas fait celui-là. Voilà. Et maintenant, on va relancer le 37. Allez. Ok. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'aille copier le point .der quelque part. À moins que j'utilise le proxy lui-même pour... Ouais, bon, vous savez quoi, j'ai un autre serveur web ailleurs. En l'occurrence, j'ai un LibreNMS, vous l'avez tous vu. On va faire un petit scp myca.der. Non mais oui, les histoires de certificats qui expirent et que c'est une fois qu'ils ont expiré que on s'en rend compte. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un root opt LibreNMS HTML? Allez, opt LibreNMS HTML. Et ok, et si jamais je vais dans mon petit navigateur web ici, que je vais sur mon 192.101, hop, et que je fais slash ca.der, ok, il l'a téléchargé. Donc, eh ben, je vais aller faire pareil sur mon navigateur, sur mon iPad. Alors, est-ce que je peux vous faire un petit truc en mode... Comme ça. Alors là, c'est magnifique. Vous avez en plus, par là-haut, ici, vous avez mon retour vidéo, hein, mon autre... Enfin, là, c'est mon écran que vous ne voyez pas, donc c'est fantastique. Mais... Alors, j'ai pas eu le temps d'aller prendre un pied. Un trépied, pardon. Donc, je vais devoir le tenir. Hop. J'espère que c'est pas trop nauséeux. 192, hop. Allez, accéder.
Hop. Ouais, il est en train d'essayer d'y accéder. J'ai un peu la tremblade ce soir, hein. J'espère que ça vous embête pas trop. C'est A. Point D-E-R. Accéder. Ouais, la classe! Et il me propose de l'installer. Allez, on l'installe. Avertissement. Installer. Profil installé. Ok, donc ça c'est cool. On va pouvoir passer à la suite. Hop, on revient ici. Merci d'être passé en tout cas Rancune, c'est très gentil. Bah oui, c'est vrai qu'il est un peu tard. Je pense que je vais pas non plus faire trop longtemps par rapport à d'habitude. C'est vrai que d'habitude je m'arrête à cette heure-ci. Donc bah, bon appétit à toi et puis bonne fin de week-end. Et merci et puis à bientôt. Alors, maintenant qu'on est là. On va revenir ici. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que j'ai initialisé la base de données, j'ai fait fix client, c'est ce que je viens de faire. Divert traffic, ok. Debugging, ok. Donc a priori, on est bon. On est bon. Alors, je vois à aucun endroit. Je vais quand même faire un petit système CTL, restart. Squid. Est-ce qu'il va remarcher ou pas, à votre avis? Allez, 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 Squid. Allez, t'as été sage jusqu'à maintenant, Squid. T'as fonctionné, mais alors, nickel. Le suspense est intenable. Rends-moi la main, s'il te plaît. Fais-moi un statut OK. Pitié, Squid, allez. T'as été gentil jusqu'à maintenant, j'ai été sympa à être avec toi. Oh oui, voilà. Allez, par précaution, un petit status. Ça lague un peu ce soir sur la machine, je sais pas pourquoi. Ok. Alors. Oula. Hop, tail. Ok. Donc maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple... Je recharge côté SSL Labs. À mon avis, il va me dire, au fait, tu te fais man in the middle. Ah, on voit des choses. Ok. Et si je tente d'aller sur another homepage. Allez, on va le faire ensemble. Hop, caméra 2. Allez, je vais essayer de rester. Alors, attendez, on va essayer de se mettre comme. Et hop là, non, comme ça. Et oh là, voilà. On va se mettre comme ça, je sais que c'est pas ouf. Hein. C'est juste le temps. Hop, voilà. Another. Homepage.org. Alors là, il dit non, je peux pas. Mais je pense que c'est logique. Donc, détail. Oui, c'est pour ça. Annuler. On va retourner dans les réglages. Voilà, Wi-Fi, les infos. Ah non, pourtant j'ai bien activé le proxy. Alors, vous le voyez pas, mais on va... Hop, hop, c'est ici. C'est ici, il est activé le proxy pourtant. C'est chelou cette affaire, hein. C'est pas juste. C'est pas juste. Il est pas très coopératif. Hein. Pourtant. Non, ça c'est un site invalide. Voilà.
Alors, est-ce que... Alors, on va revenir... On va revenir ici. Qu'est-ce qu'il y aurait comme manip qui pourrait être faite côté... Bye cookies, merci d'être passé. Ben, en fait, oui, je me demande s'il n'y a pas une manip en plus à faire avec le certif. Là, pourtant, le certificat, je l'ai ajouté, hein. Ah, aurais-je oublié des options de bump? Alors, attends, si je reprends si je reprends ce truc-là. Parce que ça, c'est le divert traffic, mais ça, c'est si jamais je fais du debugging. Ah, le debugging n'est pas forcément obligatoire. Alors, si, hop. Ah, on peut effacer le forward it for. Sympa. Donc ça on l'a fait, ça on l'a fait. Config file. Ah bah voilà, je savais bien qu'il y avait des choses qui manquaient. C'est bizarre, pourtant, c'était pas indiqué. Squid, HTTP port, intercept. Ah, donc en fait, j'ai pas mis l'interception. C'est pour ça. Ben oui, effectivement, j'aurais pas mis l'interception. Alors la question c'est HTTP access. Faudrait que je rajoute. Alors ça, on a vu que c'était pas grave. Donc en gros, faudrait que je rajoute, si je comprends bien. Ça c'est bizarre. Je vais retourner voir dans le truc officiel. C'est là, ouais, voilà. Intercept HTTPS Connect Messages. Donc ça on l'a fait, ça on l'a fait. On a généré les clés. Voilà. Et donc il faut écrire SSL, SSL bump. Ça on l'a fait a priori. Donc au niveau de l'HTTP port 3128. Alors, HTTP port 3128. Hop. Et il faut mettre SSL bump avec les certificats. Ok. Alors ça tombe bien, nous on a mis la même chose. Voilà. On a bien mis un ETC squid. On va vérifier ça. Normalement oui. Ah non, on ne l'a pas. ETC squid incident, certes. Je viens de vérifier. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre truc? Il y a ça à rajouter à la fin, enfin ensuite. Voilà. Alternative trust route. Ça, a priori, dans certains cas.
On verra ça après, si ça passe. Missing Intermediate Certificates. Gna gna gna. Capable de venir. Ok, donc ça c'est cool. Ça on l'a fait. Et le troubleshooting. Squid 3.1. Bon, on va bien voir. Déjà, ça devrait déjà être un peu mieux. Alors, si je fais un reconfigure, à votre avis, est-ce que ça va suffire? Allons-y. On va repasser en mode un peu... Voilà. Alors, on refait another home page.org. Hey, j'ai pas eu de message d'erreur. Woot, woot, woot. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Yay, yay, yay. Ah. Bien, ça c'est cool. Ah ouais, merci. Oh, et merci d'avoir utilisé le mouton, Sébastux. Ah, vous pouvez faire une, ouais, vous pouvez faire une armée de moutons là, une flash mob de moutons là, ça me ferait super plaisir. Parce que là, je suis vraiment content de moi. Merci les gars, merci. Bien, bien. Maintenant on parle. Maintenant on parle. Alors, donc ça déjà. Et qu'est-ce qui se passe si on va regarder? Est-ce qu'on peut regarder? Ah bah non. Non, on n'a pas les. C'est là, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a moyen de regarder le navigateur, enfin au niveau du navigateur, le certificat? Mais en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il faudrait peut-être que je revienne, hop, ici, et que je vous montre dans ce navigateur-là, puisque celui-ci aussi, il a le proxy normalement, hein. Voilà. Si jamais je vais sur anotherhomepage.org... Qu'est-ce qu'il m'affiche? Ah, lui, par contre, il m'envoie bouler. Il m'envoie bouler. Et c'est logique, parce que je n'ai pas ajouté le certificat autosigné que j'ai créé sur le truc. Et comme il y a Squid qui est là, qui fait « Ah, ta-ta-ta-ta-ta, je vais remplacer le certif du site, je vais mettre le mien. » Et ben, voilà. Et si je fais un petit avancé, Mozilla, erreur, man in the middle detected. Voilà. Allez, je vous le zoome un peu. Voilà. C'est QFD. Donc il dit bien, eh, au fait, là, t'essayes d'aller voilà, visiter un site, mais il ne m'affiche pas le certificat qui correspond. Il y a un souci. J'ai détecté du man in the middle. Ah non, mais c'est super cool, ça. C'est super cool. Ce que je vous propose maintenant, finalement, ça, c'est aller plus vite que ce que je pensais. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on essaye carrément d'ajouter la CA de l'autorité Let's Encrypt sur la tablette et que je désactive le proxy sur la tablette pour voir si, malgré tout, ça peut fonctionner. Alors, pour cela, eh ben, on va aller revérifier... non, pas ça. C'était ça ou pas? Non. Mais non, c'était pas ça que je veux. Ah bah oui, forcément, maintenant que j'ai le squid qui est... Hop. Allez, on va le désactiver. Voilà, pas de proxy, parce que sinon, on a tout qui va... Alors, ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, finalement... Ah non, ça, c'était squid reverse proxy. Ça, on l'a vu. Bah, on l'a vu aussi, ça aussi. Non, ça, on l'a pas utilisé. Hop. Non, non plus. Let's encrypt. Voilà. Hop, Chain of Trust. Donc a priori, il faudrait que j'aille sur ce site-là et que je télécharge la C. Donc, hop, on est reparti ici. Hop, et donc letsencrypt.org/certificates. Je vais même vous le mettre dans le chat, comme ça, hop, vous l'aurez. Donc, letsencrypt.org. /certificates. Accéder.
Voilà. Et donc, si je rajoute. Donc, a priori, c'est le DER qu'il faut que je prenne. Voilà. Et il me dit, vas-y. Hop. Il me dit, vas-y, tu peux l'installer. Et je te dis, oui, vas-y, installe-le. Profil installé. Paf. Ok, il est vérifié. Donc maintenant, je vais revenir au réglage. Et on va aller sur le Wi-Fi. Et on va lui dire désactive. Hop, voilà. Alors là, vous ne le voyez pas, mais hop, maintenant, le proxy est désactivé. Je peux retourner dans Safari. Hop. Voilà. Et on va aller visiter un autre site qui utiliserait Let's Encrypt. Au hasard, linuxaffaires.org. Et je n'ai pas, a priori, voilà, je n'ai pas de message d'erreur. Je n'ai plus de message d'erreur. Ah, bah ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je suis très content. Hop. Ah, bah merci pour le GG. Alors. Ah. Ça, c'est chouette. Je sais pas vous, mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris ma revanche. Hein. J'ai pris ma revanche sur la semaine dernière. Le résultat, je le voulais, je l'ai obtenu. Je suis content. Et ça fait du bien. Ça, tout de suite, ça. Ah, ça booste le moral. Vous savez, quand il y a un truc sur lequel vous avez eu des difficultés et que vous arrivez à passer au-dessus de ces difficultés, eh ben, ça fait plaisir. Alors, la question que je me pose, c'est en combien de temps est-ce que je pourrais viteuf installer une Alpine de base et vérifier si Squid pose toujours problème avec une Alpine de base en x86. Pour essayer de voir ça, non? Vite fait. Hop. Allez, nouvelle VM. Browse. Alors, boot. Hop, Alpine. Voilà. J'ai eu le temps de. Ils n'ont pas d'image cloud. Je sais pas, je t'avoue que je suis pas allé vérifier. Mon réflexe a plutôt été d'aller prendre l'image d'installation. On va te mettre 2 Go de RAM, 2 vCPU, allez hop, vite fait. Peut-être mettre un peu plus de disque quand même. Et on l'appelle Alpine-proxy. Hop. Customiser. Je voulais mettre Mac VTAP et la Mac VTAP, elle est sur EN, hop, ENP6. Voilà. Tac. Finish. Je voudrais juste m'assurer sur les CPU. Hop. Socket, un curve de thread. Apply. Allez. Begin install. Bah, limite même d'ailleurs, je me demande si je pourrais pas installer Est-ce que je pourrais pas faire un truc du genre setup network? Non, pas NTP. Il n'y a pas un network set. Setup. Dans les setups, je vois pas de setup. Il y a un ça, ah, si setup interface, c'est setup interface. Hop. Alors forcément, lui, il a décidé d'être. Voilà. On va lui dire de scale un peu, comme ça vous verrez un peu mieux. Oui, ETH0. DHCP, c'est bien. Manuel network, non. Ok. Donc si je fais un APK update ici. Ouais. C'est APK repositories. Ah ouais, c'est le CD-ROM. Ok, donc si je fais un setup. Setup APK repo. Histoire de s'éviter de l'installer, en fait, je vais essayer de le faire en live.
Bad adresse. Mirrors.alpinelinux.org. Ah bah oui, j'ai pas fait un setup. J'ai pas fait un setup DNS. Donc laisse tomber. Setup DNS domain name. Another homepage.lock. Ah ouais non. Homepage.lock. DNS name server 254. Ok. Donc maintenant, si je refais un setup APK repo, ça devrait être mieux. Bad adresse toujours. Bah alors, tu pinges pas Linux à faire? Ah. Pourtant, il m'a bien mis le resolve.conf. Bon, bah, je vais lancer un setup Alpine. Hein. Voilà. us-alt-gr-intl. Le 1. On a dit que c'était Alpine-proxy. ETH0, DHCP, on veut pas rajouter de trucs. Hein. Voilà. Ah, mais d'accord, il a pas fait de. Ok. New password. Password. Ouais, je sais, trop faible, trop faible. UTC, c'est très bien. Voilà. Pas de proxy. Bah non, ça va être nous le proxy. Tu vas me mettre le numéro. Il est où celui de l'école 42? Il est nulle part, je l'ai pas vu. Allez, F. Ah ouais, mais du coup, ouais, il les teste tous. C'est un peu ballot. Ah, hey, y en a qui time out. Ah, hein. C'est bien, on les teste et hop, ils time out. mais je pense que ouais, celui de l'école 42, normalement, ça va être un des plus rapides. Je sais plus où il est. Enfin, s'il est toujours dispo. Et comme ils les testent tous, forcément ça prend son temps. J'aurais pas dû faire ça en fait, j'aurais pas dû faire un fast. Et là maintenant que j'ai démarré, au point où il en est, autant le laisser tourner quoi. C'est dommage qu'il précise pas lequel, quand il fait des wget, là, lequel a timeout et lequel a envoyé un 404. IRCAM, ok, très bien, bon choix. Setup user, non. Serveur OpenSSH, yes. Enter, SSH key au URL, non. Which disk VDA, c'est très bien. On va utiliser en mode 6. Hop, ouais, vas-y, wipe le truc, formate-le. Alors maintenant, ça me... Hop, allez, reboot. Et pendant que ça reboot, on va peut-être essayer de répondre à la question de Sébastux. Si je vais sur alpinelinux.org et qu'on va sur les downloads, est-ce qu'on a des trucs? On a les trucs d'installation, standard, extended netboot, Raspberry Pi, générique ARM, mini root file system, donc il y a un mini root file system pour les conteneurs, et virtual, ok. Et si jamais je tente Alpine Linux Cloud Image, à mon avis, elle ne sera pas officielle. Ah, quoique. Cloud Image Provider AWS. AWS. Donc en fait, a priori, il y a des images cloud, mais uniquement pour AWS. Voilà.
Other major and no cloud will be supported in the future. Donc, pour répondre à tes questions, Sébastux, oui, ils ont des images cloud, mais uniquement pour AWS. Image variants for two instance bootstrap systems are available. Tiny cloud and cloud init. Ah, en fait, c'est les variantes. Ah oui, BIOS Tiny et BIOS Cloud Init. Donc en fait, ils te font des images AWS que tu peux ensuite bootstrapper avec Cloud Init ou avec Tiny Cloud, selon ce que tu préfères. A priori, il faudrait que j'aille construire moi-même des images, en fait. Il y a un truc, voilà, Alpine Linux Cloud Image Builder. Ok, mais a priori pour l'instant il n'y a que AWS. Voilà. Voilà pour répondre à ta question, Sébastux, pendant que normalement la machine a rebooté. Et 6218. Ok. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter tout de suite. Route et hop, le super pass. Hop là. Le password. Ok. APK update. APK add squid. On avait dit quoi? RC update. RC-update add squid default, si je me rappelle bien. Voilà. Et services squid start. Oh, répond clavier. Voilà. Et bah ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc voilà, on saura que en fait mon souci de la semaine dernière était a priori dû à Alpine Linux, enfin en tout cas au fait que c'était sous Raspberry Pi. Il y a peut-être un truc qui pose problème dans le soit sur la compilation du paquet Squid, soit autre chose qui est buggé sur Alpine Linux, mais uniquement a priori. Mais en tout cas, enfin, pas sur la partie x86-64, peut-être limitée à la partie Raspberry Pi. C'est dommage, parce que je trouvais que Alpine Linux était une distrib qui se prête bien au Raspberry Pi. Mais c'est peut-être que, ouais, il manque peut-être des choses. Alors, dans le FSTab, il y a quoi? Ouais, ok. Bon. Voilà. Donc, le fin mot de l'histoire, c'est qu'a priori, j'aurais utilisé la semaine dernière Alpine Linux sur x86-64, j'aurais pas vu le souci. Voilà, voilou. Bah écoutez, moi ce que je vais vous proposer, c'est qu'on s'arrête là, puisqu'il est déjà 20h26. Alors je sais que d'habitude je fais des streams un peu plus longs, mais là comme j'ai commencé un peu plus tard, et que de toute façon on est allé au bout, en fait. Hop là, on a réussi à obtenir tout ce qu'on voulait, et ça c'est très chouette. Hop là. On rapproche un peu le micro, j'espère que le son. Enfin, je vous ai même pas demandé si le son était assez fort au niveau du micro, mais personne s'est plaint. Donc ça veut dire que ça allait. Bien. Alors, son nickel. Juste à la fin du stream. Eh, au fait, le son, ça marche. Oh, merci, Xavier. Merci d'avoir été là, comme toujours. En plus, je t'ai même pas prévenu que je serais à la bourre. Et vu que tu es toujours là, gentiment, pour assurer la modération, je devrais peut-être te prévenir avant, quand j'ai des soucis comme ça. Ce que je vous propose donc pour finir ce week-end en beauté, c'est peut-être d'aller faire un petit raid chez Adrien, que j'ai envie de dire comme d'habitude, hein, il va mettre l'ambiance du dimanche soir. Pas de stress, t'as vu sur Discord. Ok, ça c'est cool. Bah, d'ailleurs, l'occasion, avant de filer, de vous faire le petit blabla habituel. Hein. C'est-à-dire que si jamais vous avez envie de voir la suite de mes aventures, la suite de mes aventures. Alors, il y a plusieurs sujets. Là, en ce moment, on faisait des trucs différents les dimanches. Je pense qu'on va peut-être passer sur un autre sujet dimanche prochain. Mais je stream donc les dimanches habituellement de 18h à 20h,
quand je suis pas à la bourre, et le jeudi de 20h à 22h. Et là, en ce moment, bah, on a toujours le projet Fil Rouge, qui est le lab Ascode, où on fait pas mal d'outils d'automatisation pour automatiser la mise en place d'une maquette d'Internet. Voilà. Donc, on fait de l'Ansible pas mal en ce moment, mais avant, il y a eu un peu de Cloud Init et un peu de Terraform. Entre les streams, vous pouvez me rejoindre sur Discord, l'adresse est là-dessous. Hey, merci beaucoup pour le follow, Abdelkera, merci à toi. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai montré anotherhomepage.org comme exemple dans les streams d'aujourd'hui. Vous retrouverez ma présence sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Mastodon, Instagram, LinkedIn, enfin la totale, sur anotherhomepage.org. Voilà. Je vais même en profiter pour vous le remettre ici. /anotherhomepage.org. Page.org. Vous pouvez bien entendu interagir avec moi entre les streams. Et il y a des anciens streams. Alors je sais que je mets un peu de temps à les mettre ensuite. Mais si vous voulez voir vraiment les vieux streams, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube dont le lien est dispo effectivement, soit en dessous. Vous pouvez voir dans les liens de la page Twitch ou aussi sur anotherhomepage.org, vous trouverez l'adresse de ma chaîne YouTube. Voili voilou, c'est terminé pour ce soir. Moi, je vais vous donner rendez-vous donc jeudi prochain ou dimanche prochain, selon votre préférence, voire même les deux, n'hésitez pas. Et puis, on va aller faire un petit coucou à Adrien avant de finir le week-end en beauté. Comme d'habitude, hein, les habitués le savent, je vais mettre la page de fin de stream, mais je déclenche le raid dès maintenant. Merci à vous, c'est très gentil d'avoir été là, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !